Ça fait un moment qu'on l'attendait, cette première partie du championnat du monde. Et ben voilà. Elle est arrivée, on a respecté les consignes et puis à la fin une belle victoire. Donc on est plutôt content de notre prestation aujourd'hui. Ouais. Ben, on est bien rentré dans la partie, voilà, on a respecté les consignes. Et puis dès le début, on a vu que... Eh bien, qu'on a mis les Espagnols à la faute et donc d'un côté nous on a pris confiance, on a imposé notre jeu et de l'autre côté on avait les Espagnols qui étaient dans le doute, qui commettaient quelques erreurs et donc il fallait continuer à respecter, à être rigoureux jusqu'au bout et c'est ça qui est plus dur à faire. Bien sûr inconsciemment, dès qu'on fait le break, ben, on se dit que voilà, on relâche un petit peu, on devient de moins en moins rigoureux et justement c'est là où il faut remettre une couche de plus et, mais pour justement pour les assommer un peu plus. Ah, il y a toujours des réglages à faire. Tout n'était pas parfait ce soir. C'est justement ça qui est un petit peu un motif de satisfaction, c'est que tout n'a pas été parfait, mais bon au final. Il y a quand même une large victoire, donc c'est très positif pour la suite. Quoi. Prochain match, ben, a priori, on devrait être qualifié pour les demi-finales. Hein. Donc on verra, on suivra les résultats de l'autre poule. Donc a priori, on rencontre les premiers de l'autre poule. Ça devrait être Cuba ou les Philippines. Donc on verra ça, on va préparer ça sérieusement. Et puis voilà, hein, en essayant de gagner sa place, parce qu'on est un groupe de 4 et... Il va falloir se gagner la place.